Le mérite des infirmiers ivoiriens a été reconnu par la Fondation DESI, une fondation américaine qui chaque année distingue les meilleurs de la profession infirmière à travers l'institution d'un prix dénommé DESI Award. Sur une vingtaine de nominés, 10 infirmiers ont reçu le prix lors d'une cérémonie organisée par l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire le 2 décembre 2022 dans l'enceinte de l'hôpital militaire d'Abidjan. Ces 10 infirmiers, selon la Fondation DESI, se sont démarqués par la qualité de leur travail et par une approche excellente auprès des patients. La joie qui m'anime de voir que l'excellence a été promue à travers ce prix que nous avons pu avoir par la Fondation DESI en collaboration avec l'Association nationale des infirmiers. Mieux, ils jouissent d'un bon témoignage auprès des patients et de leurs supérieurs hiérarchiques. En mai 2023, ces lauréats seront nominés pour un autre prix que lance la Fondation DESI. Je voudrais interpeller tous les infirmiers, leur dire que rien ne se perd sur cette terre-là. Tous les actes que nous posons, nous sommes vus par nos proches comme par d'autres personnes. Donc, il serait vraiment souhaitable que chacun se mette à la tâche, et apporter la pierre à l'édifice, faire en sorte que les soins qui seront prodigués à nos patients soient des soins de qualité. Oumaka Gabin, président de l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, ce prix honore la profession infirmière et entend accompagner les efforts du ministère de la Santé dans la promotion des soins de qualité. Pour nous, c'est une manière d'accompagner le ministère de la Santé dans ses tâches, afin que les agents de santé soient reconnus dans leurs tâches et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux dans leurs tâches quotidiennes. Et c'est la mission de l'Association des infirmiers de Côte d'Ivoire, c'est notre vision de promouvoir les soins infirmiers, la qualité des soins par le travail, par le mérite, par des journées d'excellence. Et nous en sommes heureux. Notons que la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays africains membres de cette organisation.